La nuit, il vous illumine. Un éclair de guenille. Tous les mercredis, 22h-23h sur VL. Non, pour de vrai, les petites gamines de 10-11 ans qui me prennent dans les bras comme si j'étais la reine des neiges, ça me touche particulièrement. J'ai pas un moment particulier. Si je trouve ça très mignon quand mes petites fans elles m'organisent une surprise pour mon anniversaire ou quand on se retrouve toutes ensemble, c'est des moments comme ça qui me touchent. J'ai pas un moment qui m'a marqué particulièrement, c'est tous les moments avec mes petites fans. Mais il y a aussi des relous, je crois. Oula, oui. Bah oui, la semaine dernière d'ailleurs. Qu'est-ce qui s'est passé à l'Apollo, ouais, oh là là, ouais, la vache. Racontez-nous. Bah, comment vous dire, j'ai failli me faire poignarder, quoi, clairement. Non, carrément. Non, ouais, il y a eu des flics devant l'Apollo, un psychopathe, je pense qu'il avait pris des substances un petit peu illicites, ouais. Et qui me cherchait de partout, qui demandait où j'étais. Et il avait un regard très bizarre. J'ai dû me faire accompagner par des gardes du corps. Ils ont appelé les flics. Et après une fouille, et ben, ils ont découvert un couteau sur lui. Quoi. Comme quoi, il faut faire gaffe. Ouais, c'est pour ça que coup, samedi dernier, tu m'as demandé est-ce que tu peux pas m'accompagner jusqu'à ma voiture. Ouais. Donc maintenant, tous les soirs, quand par exemple, j'ai pas des amis pour me raccompagner, on me raccompagne à ma voiture. Ouais. Parce que ça m'a fait très, très peur, pour être honnête.